pense véritablement sur toute l'histoire coloniale française. On s'affronte aujourd'hui à toute une série d'idées nauséabondes, et je pense qu'une grande partie prennent leur source dans le silence qui est fait sur le fait que la France, pendant plus d'un siècle, a été, pour le meilleur et pour le pire, à la rencontre du monde, et qu'on a une histoire mêlée, que ce soit avec l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie, le Sénégal, le Mali, même les Antilles. Et donc cette histoire-là, elle n'est pas prise en compte. Et ce manque, véritablement, crée des crispations dans cette société. Vous...